dimanche. Ouais, dimanche midi, ça y est, on part promener. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je pense. Regarde. Attends, moi je vais clôturer celui-là. Donc, coucou. On est dimanche, vlog. Ah ben voilà. Moi je vais vous clôturer le vlog maintenant. Et moi je l'ouvre maintenant. Parce qu'on part promener, ça y est. Ça, il va y avoir du lourd ce soir. Ouais. Enfin, ça sera pas pour ce soir. Non. Là, vous avez un vlog. Vous aurez certainement un deuxième vlog. Oui, c'est ça. Vidéo Chine. Avec nous. Ouais. Mais aussi. Avec les hommes. Avec eux. Magnifique. Ce matin, pendant que je m'habille, que je... Et les deux hommes et les deux chiens. Et nous, on est tranquilles. On dit quoi? On dit jeu de chien, jeu de vilain. Ça va mal finir, hein. Hey, allez, ça suffit, on arrête. Il y en a qui a un examen là à passer. Brio, tu fais beaucoup de bruit, hein. Ah, il fait lui qui fait du bruit. Je chope sa peau là et je tire. Mais il ne sait pas faire. Mais il dit rien. On va bien essayer de lui choper les oreilles. Il pleut aujourd'hui, donc les enfants font des bêtises à l'intérieur. Je parle fort, hein, parce que... Il rue son entague. On entend un chien qui mouche. Ah, il va y avoir de la morve de partout. Allez, ça suffit. Mais non, mais il s'amuse. Non, mais chérie, c'est bon, il faut pas qu'il passe un trou dans la joue. Allez, stop. Allez. Bon, dimanche, nous revoilà en voiture. En fait, c'était pas prévu. On avait prévu de faire des vidéos. C'est de leur faute. C'est de leur faute. Et comme ils voulaient pas faire des vidéos, Monsieur 15 Happy a fait le malin, hein, ce matin pendant la promenade. Un bon petit malin, là. Il a dit... Il a une boule. Oh, les filles, et si on allait au Macature Glen cet après-midi, nous... Au lieu de faire des vidéos. Au lieu de faire des vidéos. Nous, mais c'est fermé le dimanche. Non, 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 c'est ouvert. Alors, qu'est-ce qu'on a fait toutes les deux? Toc, 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 tout de suite. Regardez si c'est ouvert. Effectivement, c'est ouvert. Donc, ben voilà, on a fait la vidéo. Et maintenant, on va au Macature Glen. Sauf que lui, il croyait que c'était une blague. Vous voyez qu'on n'allait pas accepter, qu'on allait faire d'autres trucs. Voilà. Et ben, non seulement ils voulaient couper la vidéo, ils auront eu la vidéo, mais en plus, ils ont ma carte urbaine, alors qu'ils n'avaient même pas envie du tout. Ah non, tout, parce que tout. Les boutiques, c'est pas leur truc. Mais la prochaine fois, ils tourneront leur langue 7 fois dans leur bouche avant de parler. Exactement. Là, ils se regardent comme deux couilles. C'est tant pis. Si, si, ce soir, t'as dit que tu voulais remettre la perruque. Non, mais on vous a pas dit dans quel magasin on allait aller aussi. C'est pas grave. Allez, on se retrouve à Macarthur Glen. Merci. Merci. Au revoir. On a les chiens qui attendent leur fondue. Peut-être qu'on va les habiller et qu'on va leur faire la fondue. Tu connais pas, toi. Tu en auras découvert des choses ici. Hein. Le jeu. Ça après, commence à s'épaissir. Après, il y a des chiens qui se... Oh là là, il se bat avec un fil. Oh là. Je t'ai pas filmé en entier. Allez, 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 allez. La boule, la boule, la boule, la boule, la boule. Ouais, il est des nôtres. J'ai hâte que tu sois tout nu dans l'escalier. Hein? Charmeau de nuit. Ah oui. Lundi, coucou. Je suis partie courir avec Brio. Mon chéri est parti travailler. Je me suis levée en même temps que lui. Le problème, c'est que Brio, il a aboyé quand on l'a équipé, quoi, comme à chaque fois qu'on va courir. Attends, Mary, elle m'a dit, viens en face. Et ça a réveillé Urus qui a aboyé, et donc ça a réveillé Béré et Matt. J'ai eu mon mari au téléphone, il m'a dit à s'élever, quoi. Donc là, je vais me dépêcher de rentrer pour qu'on prenne le petit déj ensemble. On a fait 9 km, ça fait du bien. Parce que là, ouais, je vous le disais, donc on a fait 9 km avec Boubou. Bah, il est fatigué le Boubou. Urus, il l'a eu. À 3 km déjà, il ne tirait plus. À 5, il s'arrêtait. J'ai dit bon. Et on va faire une pause. On a fait une pause et puis après il est reparti. Donc on a continué jusqu'à 9. Ça fait du bien. Il fait beau aujourd'hui. Il y a un beau soleil. Il faisait super frais ce matin. Waouh, ça réveille. Voilà. Mais écoute, on va rentrer. Moi, je pense que j'aurai un petit peu de boulot. J'espère pas trop. Et puis on va la prendre à la cool. Quoi. On va aller promener un petit peu avec les chiens. Mon mari rentre manger à midi. Puis je pense qu'il finira pas trop tard ce soir. Donc peut-être on ira un petit peu balader quand il rentre. Allez, je vous dis à plus tard. Ah sinon hier la fondue, on s'est marré. Allez voir sur la chaîne de Béré, on a filmé les chiens qui ont eu
leur morceau de fondue. Attention, il n'y a pas eu 50 000 essais. Ils en ont mangé un chacun, mais franchement, c'est marré. Hein. Béré, elle faisait la voix. Vous verrez sur Urus, à la fin, elle n'y arrivait plus. Quoi. C'était trop drôle. Ah, une voiture. Mon mari, il a appris à Urus à faire le beau. Il est trop mignon. Franchement, hein, il a été vite. Hein, il est intelligent. Il apprend super vite. En 2-3 coups, c'était acquis. C'était trop rigolo. Puis alors, c'était rigolo parce que tu avais Brio à côté qui, lui, sait le faire depuis un moment. Et du coup, on avait donc la récompense. Et puis, il disait à Urus, fais le beau. Puis, tu avais Brio à côté qui se levait avant de dire, non, pas moi. Non, franchement, c'était drôle. On a passé une bonne journée. Donc, il nous reste encore une journée. On va bien en profiter ensemble. Il fait soleil, donc je verrai. Peut-être on branchera le spa. Parce qu'on va faire un petit spa. On a bien rigolé le jour avec Béré. Et voilà. Bah, écoutez, j'espère que vous allez bien. Nous, on aura passé un super week-end. Avant mon intervention chez le dentiste mercredi, ça m'aura fait du bien. Franchement, attendez, il se prend les pattes dans la laisse. Voilà. Ah, j'ai hâte que ce soit passé, honnêtement. Bon, allez, on va passer juste à la bonne journée qui s'annonce. Et puis le reste, on aura le temps de se prendre la tête avec dans 2 jours. Allez, je vous dis à plus tard. Lundi après-midi, on part promener. On n'a pas fait grand-chose aujourd'hui. Vous voulez voir une biche? Regardez. Vous voulez voir la bibiche? Regardez, il s'éclate. Lui, son truc, c'est aller dans les herbes. Et encore, c'est pas mouillé. C'est parce que c'est frais pour les coucougnettes. Hop, on se retourne. On est là. J'ai pris juste vite fait ce matin après le footing. Et en vrai, plus rien. Moi, rien. Franchement, aujourd'hui, je n'ai rien on fait. On n'a pas fait grand-chose. On a pris cool. Enfin, si, j'ai travaillé. Moi, j'ai rien fait. On a mangé sur la terrasse, tranquillou. Béré, elle a fait une bonne sieste, hein, je t'ai entendu, ouais. Je peux pas dire le contraire. Non, mais en plus, je vais vous dire, je dors pas très bien quand même. Bah non, parce que l'Urus, il prend pas mal de place. Ah, ce matin, un peu cher. Les deux premières nuits, franchement, si j'ai dormi 4 heures. Mon chéri, il me dit, oh, je sais, parce que ce matin, il a fermé, quand il s'est levé, il a fermé leur porte, parce qu'on laisse tout ouvert pour qu'il y ait de l'air, et pour pas les déranger quand il est parti bosser. Il me dit, peu cher, Béré, elle a plus de place dans le lit, quoi. Le chien prenait toute la place. J'ai les pieds par terre. Urus, vous pouvez le pousser, il en a rien à foutre. Il fait 30 kg x 10 pour le pousser. Donc moi, je cherche pas à le pousser. Et voilà. Et donc là, on va faire la petite marche. On va quand même faire un peu plus de 3 km. Ouais, mais plus même, parce qu'on doit prendre toutes les cartes. Et voilà. Et donc après, ça sera notre dernière soirée. On sniff. Et puis c'est tout. Allez. Bonne chose dont une fois comme on dit, même si franchement on serait bien resté par ici, mais avec du travail quoi, il y a un logement, mais peut-être un jour, peut-être. Ah. Allez, on essaiera de se refaire un coucou ce soir. À tout à l'heure. Maman, oui. Est-ce que je peux avoir l'apéro? L'apéro, mais t'es encore trop petit pour l'apéro. Juste une petite binouze. Oh bah, tu demandes à tonton Eddy. Bon, bah c'est la fin. Hein. Triste. T'as vu, on peut manger des tomates. Un bout de saucisson. Un bout de saucisson. Bah ouais. Franchement, on va profiter de cette dernière soirée. On s'est quand même vachement bien marré. Ouais, et puis 4 jours, c'était sympa. Ouais, bah la prochaine fois, il faut qu'on fasse une semaine. Voilà. Voilà. Prochaine fois, on vient vous voir une semaine. Ça serait bien ça. Ouais. Avec brio. Avec brio. Voilà. Et maintenant, Gugus a son Instagram. Oui, je vous le mets en barre d'infos. C'est Urus le Gugus. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos avec l'Instagram de Brio aussi. Oui, parce et qu'il puis faut il va falloir Brio. Que 15 and Happy se fasse un Instagram. Voilà. Aussi. Allez, je fais ça incessamment sous peu. Non. On va vous laisser parce qu'on a plein de choses à manger. On fait un best-of du week-end en fait. Là, ouais. C'est tous les restes. Donc il y aura de la fondue. Les restes et encore plus de restes. Il y aura de la salade, il y aura du gratin de ravioles, il y aura des bagels. Des rillettes. Du bon mayonnaise. Du bon mayonnaise, on l'a pas ouvert, mais il faut que je le goûte ce camembert. Je suis sûre que tu vas le trouver plâtreux. Ouais, ah bon? Bah moi je l'aime bien, Mathias il l'aime moins. Ah ouais. Bon, je vous dis ça tout à l'heure. Allez, bon appétit. Acheter. Elle est où Tata? Elle est où Tata Béré? On voulait pas vous embêter avec ça. Elle est où Tata Bérénice, Brio? On en a mis Brio. Dimanche. Elle est où Tata? Tu vas faire un câlin Tata Béré. Oh le. T'es gentil, t'es très gentil. Et tonton Mathias? Oh là là. C'est tonton Mathias? Il est où tonton Mathias? Il est où tonton Mathias? Oui. Et toi tata Alexa, elle est où? Non, lui il s'en fout. Elle est où Alexa? Et Eddy, il est où?
Il est où, Eddy? Il est où, tonton Eddy? Il est où, tonton Eddy? Moi, je sais pas, moi. Moi, je sais pas. Tonton Eddy. Moi, je sais plus rien, là. Moi, je veux juste le cul de Brio. Le bip de Brio. Il va voir, tonton. Il est où, tonton? Oh, là, là. Oh là 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 là. Oh, Brio. C'est pas pareil de moi, tu le tiens, je m'en fiche. À deux, on peut faire quelque chose. C'est le dernier soir. Oui, allez, c'est reparti. Vu, regarde, arrête de le mordre. Arrête de le mordre. Mais c'est mon jouet. Non, mais c'est ça, c'est comme un jouet, le mordre. Il fait pas de pouic-pouic, lui. Non, il fait pas de pouic-pouic. Comment il fait? Putain, ses petites pattes arrière. Doucement, Brio. Tu fais doucement. T'as couiné. Bah, il fait comme si c'était un jouet. Doucement, Brio, ça suffit. Doucement, Brio. Doucement. Tu fais doucement, Brio. Il a chopé. Il est retourné en Russie. Ah. Eh oui, Brio, ça suffit. Allez, on arrête. Stop. Tu as fait une bêtise, Urus. Tu as grogné maman. Tu as fait une bêtise. Maman est triste. Tu as fait une grosse bêtise ce soir. Maman, elle est très triste. Tu n'as pas droit au lit ce soir. Non. Jamais tu as fait ça. Tu as fait une bêtise. Qu'est-ce que tu as fait? À vous. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai grogné un petit peu, maman. Tu as grogné, maman. Mais je suis désolée. Oui, mais tu l'as fait quand même, Doudou. T'as fait une grosse bêtise, c'est très laid. Regarde le fil. Il a fait des bêtises, il se fait engueuler. Moi, je vais voir. Hein. Ouais. Non, mais moi, c'est... moi, j'ai pas fait de bêtises. Hein. Moi, je suis bien. Hein. Et Russe, il a fait une grosse bêtise. Ça fait longtemps qu'ils aient bouffé quelqu'un. Ça fait longtemps que t'as bouffé personne, toi. Hein? Toi, tu n'as pas fait de bêtises, toi. Toi, tu es un bon chien. C'était un bon chien. Toi, tu es le premier de la classe. Mais Russe, il fait des grosses bêtises, ça se voit. Russe, comment je vais te niquer. Je vais aller sur le lit. Hein? Et tu n'as pas droit au lit de tata non plus, non? Ah, c'est ce qu'il est en train de demander, là, je crois. Oui, tu as ton panier. Je n'en veux pas de ton truc, ça pue. Ça pue les autres chiens qui sont passés ici. Il rigole pas, papa. Hein. Papa, il rigole pas. Maman. Tu as fait une grosse bêtise. Tête, là, il sait qu'il a fait une bêtise. Mardi, coucou, bah, je vous retrouve toute seule, c'est triste, hein. Ils sont partis ce matin, tout qui tombe là, je vous montre ce que Béré nous a ramené. Ils sont partis ce matin, je sais pas si je suis bien droite, je vous ai mis sur un carton pour être un petit peu plus haut, je sais pas, j'ai mis une des jolies tenues qu'elle m'a offertes, vous l'aurez vu la vidéo Chine. Ben voilà, ça y est, ça c'est fini, les 4 jours, ça a passé une vitesse de malade, on s'est bien régalé, on a encore passé une super soirée, hier soir on a bien rigolé. Ce matin, ils avaient mis le réveil à 6h. Moi, je dormais pas, j'ai entendu le réveil sonner une première fois, une deuxième fois. Voilà. Et ils sont partis vers 8h. On a pris le temps de petit déjeuner ensemble, tranquille. Et puis voilà, dernière partie de jeu. Je sais plus si je l'ai filmé ou pas ce matin. Je crois pas, je crois que j'ai filmé hier soir. Entre Boubou et Gugus, ils s'en sont donnés. Boubou était dégoûté parce que tout le monde est parti d'un coup. Mon mari est parti au travail, eux ils sont partis, le chien est parti, tout le monde est parti, on était plus tous les deux. Donc j'ai dit allez, on va aller courir. Ça prend du bien à tout le monde. Sauf qu'il venait de jouer avec Urus, donc il n'avait pas envie. Bah, il est parti, on a couru, il m'a pas beaucoup aidé. Mais c'est pas grave, ça nous a fait du bien tous les deux. On a fait 7 km. Et puis je suis rentrée, voilà, j'ai fait mes machines, j'ai la dernière qui tourne, la quatrième, il y en a déjà deux qui sont faites et séchées, ça va super vite là parce qu'il y a du soleil et du vent, donc ça carbure. Et puis voilà, hein, toutes les bonnes choses ont une fin. Je vais vous montrer toutes les jolies choses que nous a ramené Bérénice. Alors vous ne verrez pas tout, elle a ramené pour Eddy deux t-shirts de chez Jack and Jones. Voilà, il les a mis le week-end, donc ils sont sur le fil en train de sécher. Voilà, donc ça vous ne verrez pas. Ensuite, on a eu, je chausse mes lunettes, des petits caramels de chez elle, des caramels d'Izénie, avec la petite jolie boîte commémorative du D-Day. Ça, je trouve ça très sympa. D'ailleurs, j'aimerais bien un jour aller chez eux à cette occasion-là. On ne les a pas encore goûtés. Je vais chez le dentiste demain. On va attendre de voir à quelle sauce je vais être mangée, même si je sais plus ou moins. On n'y pense pas, c'est demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On sera peut-être mort demain, donc ça ne se prend la tête. Elle a ramené des jouets à Brio qui sont dehors. Non, ou qui sont rentrés, mais je ne sais pas où.
donc je ne peux pas vous montrer. Mais il a eu sa part aussi, il a eu plusieurs jouets. En parlant de brio, j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. J'ai tout rangé ce matin, puis j'avais quand même pas mal de boulot. Donc j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. On prendra le temps de faire ça tranquillement. Ça, c'est un encrier pour mettre sa pâte et après l'imprimer sur une petite feuille cartonnée qui est là. Donc ça, je trouve ça super sympa pour avoir l'empreinte de la patoune de mon boubou. Ensuite, j'ai eu des fondants, mais ça on l'aura vu peut-être quand elle m'a filmé quand je jouais, de la marque Dolly & Jack, elle en parle souvent, et c'est un parfum pour à la citrouille, je crois, non ? Spice Cake, gâteau épicé, et il y a une citrouille dessus, c'est les senteurs d'Halloween, et ça sent mais divinement bon. Et oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Je vais attendre l'automne pour les mettre. Et les fondants sont comme ça. Donc ils sont plutôt d'une jolie taille. Et je ne connais pas Dolly & Jack. Donc ça va être l'occasion de découvrir. Ou peut-être commander après. Qui sait. Voilà. Mais en tout cas, c'est une odeur. J'adore. Là, dès que ça va être l'automne et tout, ça va être trop génial. Elle m'a fait un super... Alors, elle m'a ramené le moule Guy de Marle. Celui-ci. Qui est pour faire les couronnes. Vous savez, les gâteaux en couronne, soit avec des fruits, soit en salé avec des légumes. C'est bizarre hein, ce moule. Il va falloir que j'étudie comment ça se passe, à quel endroit on met la pâte, etc. Et elle a quand même pris le temps de me faire un journal de cuisine, cooking journal d'Alexa, personnalisé. Je trouve ça trop cool, avec toutes les recettes qui correspondent à ce moule. Donc là, demain, oh, il y a un cœur, je n'avais pas vu sur le carton de Dolly & Jack. Là, demain, j'ai mon rendez-vous chez le dentiste, donc je pense que je ne vais rien manger pendant plusieurs jours. C'est pas plus mal, hein, parce que j'ai pris quasiment 2 kilos pendant le week-end, donc ça va repartir aussi sec. Bon, bref, c'est pas grave ça, et je pense que voilà. Et après, normalement, on part une semaine à Argelès, si tout va bien, donc c'est pas encore sûr complètement. Mais bon, on va espérer. Donc ça, je vais m'y intéresser à notre retour, si on part ou quand ça va mieux. On a eu un assortiment de biscuits de la biscuiterie de Sainte-Mère-l'Église. Alors maintenant, on connaît Sainte-Mère-l'Église. À chaque fois, elle nous ramène des biscuits. C'est une tuerie. Et elle nous a aussi ramené alors la plaque de chocolat. Ils sont super bons. Les plaques de chocolat, c'est la tablette de Sainte-Mère-l'Église. Quand ils ont montré les commémorations du débarquement, ils montraient Sainte-Mère-l'Église. Mon mari me dit, ah, les biscuits. C'est à côté de chez elle. Et on a eu un assortiment de malades. Donc ça, ça va pas faire long feu. Surtout à mon mari. Enfin, moi aussi. Ceci. Et c'est pas tout. On a eu encore plein de jolies choses. Enfin, moi. J'ai eu un blush, le Buttermilk Blush de chez NYX. Il est top. Je crois que je l'ai mis aujourd'hui. J'en ai mis moins que l'autre jour. J'adore la couleur. Ce rose comme ça foncé. Ça sent trop trop bon. Et c'est une texture un petit peu crémeuse. Mais qui s'étale vachement bien. Quoi. Je mets un petit peu un coup de pinceau. Et ça va très bien. Et alors ce rose fuchsia foncé avec le bronzage en ce moment. C'est pile poil... La couleur qu'il faut. Je pense que c'est une nouveauté parce qu'on est allé faire un tour à MacArthur Glen. Il y a un magasin où il y a des produits NYX, ils y étaient pas. Donc franchement, j'adore. Depuis que je l'ai, le premier jour elle était là, elle m'a fait tester un de ses blushs Sephora, mais sinon j'ai mis celui-là à chaque fois. Et c'est pas tout. Ensuite, de la marque Avril. Elle m'a pris un nettoyant 3 en 1 à la poudre de charbon actif à l'aloe vera bio. Moi, j'aime beaucoup les produits Avril. Une taille qui est super sympa. Je veux dire ça, je le prendrai quand on partira. Et un gommage visage enzymatique à l'extrait de grenade bio. Et vous savez, moi, que les gommages, c'est au minimum 2 fois par semaine, plus souvent 3. Donc, j'en passe pas mal. Voilà, bah écoutez, on a été super gâtés, on a passé vraiment des super moments. Ben voilà, maintenant c'est le retour à la réalité. J'espère que demain ça va aller. On va dire que ça va aller.
Je vous promets pas de vous prendre de suite parce que je pense que je vais avoir très mal, donc peut-être qu'il n'y aura pas de vlog pendant un temps. Oh, je suis floue, j'enlève les lunettes, c'est mes yeux ou je suis floue? Non, c'est tes yeux, Alexa. J'étais peut-être floue juste avant. Bref, voilà. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien, que cette petite série de vidéos avec Béré vous aura plu. On a essayé de vous faire partager le plus possible, tout en profitant, parce que c'est vrai, il y a des moments où on n'a pas filmé parce qu'on était dans le moment présent et on n'avait pas forcément la caméra scotchée au poignet, mais on a quand même essayé de vous faire profiter le maximum. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !